Alors franchement, c'est fini l'histoire des trois petits cochons et des maisons qui brûlent en paille. Bon allez, si t'insistes, je te raconte. Alors ici, on se retrouve dans un chantier de construction isolation en ballots de paille. On a une ossature en bois qui accueille des ballots de paille. On les achète chez les fermiers du coin. L'astuce du client ici, qui est autoconstructeur, c'est de connaître le numéro du fournisseur des presses de ballots. Et donc, il connaît toute la liste des fermiers qui utilisent la même presse. Donc comme ça, on a une presse qui utilise la même pression pour que les ballots soient du même format et de la même densité. Et ensuite, on les presse. Vous entendez ce bruit ? C'est un bruit sourd, tellement c'est compressé. Et la trop bonne nouvelle, c'est que si un jour on décide de déconstruire, c'est de la terre, du bois, de la paille. Donc une maison super solide qui pourrait devenir un compost. Alors pour toutes les personnes qui me diraient que ça ne serait peut-être pas durable dans le temps, il y a un très bon exemple, c'est la maison Feuillette qui a été construite dans les années 1920, qui a plus de 100 ans et dont la paille est encore en extrêmement bon état. Les avantages en termes d'énergie grise, c'est la consommation de la production du matériau, évidemment c'est zéro, parce que c'est un résidu de l'agriculture qui est déjà existant. Au niveau du transport, on est presque à zéro aussi. C'est les fermiers du quartier, donc là c'est imbattable. Et sinon, en termes de confort thermique et d'isolation, c'est un matériau naturel qui va aider à réguler l'humidité de l'intérieur. Alors là, je peux vous assurer, en termes de vécu dans le bâtiment, c'est incroyable à quel point c'est confort thermique et confort. Et voilà, j'ai tout dit pour le moment. C'était Degré 47, promotion paille. Merci pour votre écoute.